le contrôle dynamique de conduite, ou ESC, vous aide à conserver le contrôle de votre véhicule dans des situations critiques de conduite, comme l'évitement d'un obstacle ou la perte d'adhérence dans un virage, par exemple. Ce système fonctionne en comparant votre volonté de trajectoire avec la trajectoire réelle du véhicule grâce à des capteurs au volant et dans le véhicule. Si nécessaire, le contrôle dynamique de conduite corrigera la trajectoire de votre véhicule en agissant sur le freinage de certaines roues et ou sur la puissance du moteur. En cas de déclenchement du système, ce témoin clignote au tableau de bord. Notez que le contrôle dynamique de conduite est accompagné de la fonction de contrôle de sous-virage et d'un système anti-patinage. Le contrôle de sous-virage optimise l'action de l'ESC dans le cas d'un sous-virage prononcé afin d'éviter une perte d'adhérence du train avant. Le système anti-patinage limite le patinage des roues motrices à l'aide de capteurs présents dans les roues. Il mesure et compare la vitesse des roues motrices et décèle leur emballement dans les situations de démarrage, d'accélération ou de décélération. Si une roue tend à patiner, le système la freine jusqu'à ce que la motricité redevienne compatible avec le niveau d'adhérence sous la roue. Dans certaines situations, comme une conduite sur un sol meuble ou avec des roues chaînées, par exemple, le système anti-patinage peut réduire la puissance moteur pour limiter le patinage, indépendamment de l'action exercée sur la pédale d'accélérateur. Si vous ne souhaitez pas cette action sur le moteur, il vous est possible de désactiver le système anti-patinage en pressant ce contacteur. Ce témoin s'allume alors au tableau de bord, accompagné du message ESC désactivé. Notez cependant que cette action désactive uniquement le système anti-patinage et non l'ESC. Le système anti-patinage apportant une sécurité supplémentaire, il est déconseillé de rouler avec la fonction désactivée. Pressez de nouveau ce contacteur dès que possible pour réactiver la fonction. Le système anti-patinage se réactive automatiquement à chaque démarrage de votre véhicule ou dès que vous roulez à plus de 50 km/h. Si ces témoins s'affichent au tableau de bord, accompagné du message ESC à contrôler, cela signifie que le système a détecté une anomalie de fonctionnement. L'ESC et le système anti-patinage sont alors désactivés. Contactez un représentant Renault pour résoudre le problème. Gardez à l'esprit que cette fonction est une aide supplémentaire qui ne doit, en aucun cas, remplacer votre vigilance de conducteur.